الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ce grand réformateur de il est de quel siècle hein du 12e siècle grand réformateur du 12e siècle il est en train d'invoquer Allah Azzawajal en ta faveur, toi qui es à l'école de la science du Kitab et de la Sunna, toi qui as décidé d'être à l'école de la science du Kitab et de la Sunna jusqu'à la mort. Hein? Toi qui as compris que l'âge n'est pas une barrière entre toi et la recherche de la science. Toi qui as compris que ne cherchez pas la science seulement celui-là qui est très intelligent et qui comprend facilement ce que les hommes de science disent, ce que les enseignants disent. Celui-là qui ne se décourage pas, qui sait qu'il a le devoir d'être à l'école. Bon? Il n'a pas le devoir d'être homme de science demain, mais il a le devoir d'être à l'école. Allah, s'il veut, il fait de lui un homme de science demain. Mais le devoir qui lui est incombe, c'est quoi? C'est d'être à l'école. Hein? D'être à l'école jusqu'à la mort. Même si hein, il ne grandit pas, même si c'est difficile pour lui, même s'il ne comprend pas facilement, il est à l'école. Ah, c'est celui-là qui est préservé. Il est sur le chemin, loin de la tentation du Shaitan. Vous connaissez le hadith? Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhara Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Ça c'est la science, la voie de la science, c'est la voie qui mène vers Allah Azza wa Jalla, la voie vers le paradis. Tu es loin du Shaitan. Tant que tu es loin de la science et des hommes de science, tu es avec Shaitan, waliyadu billah. Donc voilà la grande évocation que le réformateur fait à ton endroit. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.